C'est toujours bien de pouvoir vivre des moments de louange, des moments de prière, de se tenir dans la présence de Dieu ensemble. Et je vous encourage et je vous bénis alors que vous vous joignez à moi pour ce temps de louange, de prière. Mon Jésus, je viens à toi, je fais le choix de t'honorer, je t'appartiens, je vis pour toi, je fais le choix de te louer. Mon Jésus, je viens à toi, je fais le choix de t'honorer, je t'appartiens, je vis pour toi, je fais le choix de te louer, même si je ne sens rien. Devant toi je me tiens, pour t'ouvrir tout grand mon cœur, t'exprimer ma louange, même si je ne vois rien. Devant toi je me tiens, pour t'offrir tout mon amour, et t'adorer Seigneur. Je viens à toi, je fais le choix de t'honorer, je t'appartiens, je vis pour toi, je fais le choix de te louer. Mon Jésus, je viens à toi, je fais le choix de t'honorer, je t'appartiens, je vis pour toi, je fais le choix de te louer, même si je ne sens rien. Devant toi je me tiens, pour t'ouvrir tout grand mon cœur, t'exprimer ma louange, même si je ne vois rien. Devant toi je me tiens, pour t'offrir tout mon amour, et t'adorer Seigneur, même si je ne sens rien. Devant toi je me tiens, pour t'offrir tout grand mon cœur, t'exprimer ma louange, même si je ne vois rien. Devant toi je me tiens, pour t'offrir tout mon amour, et t'adorer Seigneur, et t'adorer Seigneur, et t'adorer Seigneur, t'adorer mon Dieu, c'est mon choix. T'adorer mon Dieu, c'est mon choix. T'adorer mon Seigneur, c'est mon choix. J'ai décidé de te louer, car tu as tout donné pour moi. Je peux te louer, je veux t'adorer, je veux me tenir dans ta présence, devant toi, mon Dieu. T'adorer avec tous ceux qui t'aiment, avec tous ceux qui veulent te suivre. Seigneur, tu sais, tu connais tes enfants. Il y en a des millions sur la terre qui t'adorent, qui te célèbrent, qui rendent gloire à ton nom, qui rendent gloire à ton sacrifice et qui te disent merci pour tout ce que tu as fait pour eux. Seigneur, ton sacrifice n'a pas été vain. Même si beaucoup résistent encore à ton appel, à ton amour, Seigneur, nous qui t'aimons, nous qui te connaissons, nous voulons te dire encore une fois merci. Et nous voulons te célébrer et proclamer ta grandeur et tout ce que tu fais, Seigneur. Chantez le psaume 100, gens du monde entier. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie.
siècle en siècle et à jamais. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle et à jamais, il reste fidèle. J'ai le seul Seigneur qui est Dieu. Il est le berger de son peuple. Et c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle et à jamais. Siècle et à jamais il reste fidèle. Acclamez-le en entrant dans son temple et apportez-lui vos louanges. Louez le Seigneur, c'est lui qui est votre Dieu. Acclamez-le en entrant dans son temple et apportez-lui vos Seigneur, c'est lui qui est votre Dieu. Lui qui est votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle et à jamais. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. Siècle en siècle et à jamais il reste fidèle. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle et à jamais. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. Siècle en siècle et à jamais il reste fidèle et à jamais il reste fidèle à jamais à jamais à jamais à jamais il reste fidèle dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans son amour, il reste fidèle. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu ne changes pas, tu restes fidèle, complètement fidèle à tout ce que tu as promis, tout ce que tu as accompli. Et c'est encore tellement important pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on te loue, c'est pour ça qu'on te célèbre. Tu as fait un miracle pour nous. C'était pas normal, c'était pas naturel. Mais dans ton grand amour, tu as choisi de faire ce miracle, c'est-à-dire le salut qui nous sauve. Et par ta mort, tu as payé un prix très élevé pour que nous puissions acquérir ce salut. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir d'un si grand miracle, un don si précieux. Sois-tu
sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, loué sois-tu, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Accompli parfaitement. Alors merci, 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 merci. Et le salut est un miracle. Nous n'avons rien fait. Nous avons juste à accueillir ce que toi tu as fait. Seigneur, ça nous rend simplement humbles. Pardon d'essayer de gagner notre salut par des œuvres, par des prières, par des œuvres religieuses. Mais Seigneur, on ne peut rien faire si ce n'est dire merci. Reconnaître que tu as tout fait. Nous humilier devant toi parce que ça nous rend humbles de savoir que tu as tout fait, Seigneur. Alors merci parce que tu as tout fait, puis en plus tu acceptes de venir au milieu de nous, de vivre en nous, de travailler en nous, de nous utiliser, de servir de nous qui sommes si imparfaits, si faibles, si petits devant toi. Et merci Seigneur pour tant de grâce, tant d'amour encore pour nous. Alléluia. L'espoir de gloire, Christ en vous, l'espoir de gloire, Christ en vous, l'espoir de gloire pour l'éternité. Christ en vous, l'espoir de gloire, Christ en vous, l'espoir de gloire, Christ en vous, l'espoir de gloire pour l'éternité. L'espoir de gloire, Christ en vous, l'espoir de gloire, Christ en vous, l'espoir de gloire pour l'éternité. Christ en vous, l'espoir de gloire, Christ en vous, l'espoir de gloire, Christ en vous, l'espoir de gloire pour l'éternité. Jésus.
ce corps que nous formons. Christ en vous, l'espoir de gloire. Christ en vous, l'espoir de gloire. Christ en vous, l'espoir de gloire pour l'éternité. Christ en vous, l'espoir de gloire. Christ en vous, l'espoir de gloire. Christ en vous, l'espoir de gloire pour l'éternité. Merci pour cette promesse merveilleuse. Tu vis en nous, tu habites en nous, et c'est ça qui nous donne l'assurance qu'on sera avec toi dans l'éternité, qu'on pourra vivre avec toi pour toujours. Seigneur, merci, tu nous donnes de l'espoir, de l'espérance dans un monde plein de désespoir, de découragement. Je vous invite à prier pour tous ceux qui sont complètement découragés. Vous avez sans doute des amis autour de vous, des connaissances, des gens qui sont désespérés à cause de la situation économique, de la situation financière, de la situation physique, de la maladie, de la souffrance, de la séparation. Prions un instant pour les désespérés, oui, Seigneur Jésus. Seigneur, touche tous ceux qui sont désespérés en ce moment. Viens montre ta gloire. Réponds ton esprit, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Viens, Seigneur, sur eux. On prie tous ensemble, c'est pour ça que je prie doucement, mais vous pouvez aussi prier là où vous êtes. Vous connaissez des gens, intercédez pour eux. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Tu n'oublies personne. Merci Jésus. Prends soin de tous ceux qui sont maintenant cet instant découragés. Ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qui ont perdu l'espérance. Ceux qui se sont laissés happer par toutes ces souffrances, ces douleurs, ces informations, cette tristesse. Seigneur, sois l'espoir, sois leur espérance, Seigneur. Donne-leur cet avenir, cette espérance que tu promets dans ta parole, Seigneur. Puisse le réaliser, le découvrir, Seigneur. Dieu des désespérés, tu es le Dieu qui redonne espoir, qui redonne vie, Seigneur, à tous ceux qui sont découragés, quelles que soient les situations.